Marchant sur les traces d'Ulysse, Phénix était prête à briser la malédiction et à découvrir le secret. Au péril de sa vie. C'est une quête annexe. On ne meurt jamais pendant une quête annexe. Jusqu'à présent.
Ah, comme tu peux le voir, Phénix a découvert un ensemble de cibles. Philoctète avait apporté sur l'île de Crisée son arme la plus fidèle, l'arc d'Héraclès. Et voilà, historique. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Mais une chose est sûre, bonhomme. Phénix doit utiliser l'arc d'Ulysse récupéré dans le multivers de Pégase pour foutre le feu à plein de trucs. Huh!
Joli chaudron. Phénix laissa le compliment s'éteindre dans le silence et s'efforça plutôt de se concentrer sur d'éventuelles recettes de potions. Yeah.
Et c'est ainsi que Phénix libéra le ciel de la malédiction de Circé. Ô sage Cyclope, quel est le secret des dieux? Le Cyclope se tourna vers elle et dit: Phénix, le secret était en toi depuis le début. Quoi? Et le Cyclope ajouta: je ne suis qu'un petit fragment d'une planète vivante. Mais en quoi c'est un secret, ça? J'ai voyagé dans le temps pour te sauver d'un avenir terrible. Mais qu'est-ce que ça... Je vois des cadavres. Non mais arrête! En fait, non. Le Cyclope a dit: je sens la chair humaine. Je vais liquéfier tes organes, les touiller dans une amphore avant de les faire bouillir avec mes lasers. Lasers? Oui, oui, des lasers! Tu ne connais pas ça, Prométhée? Le Cyclope pouvait concentrer la lumière du soleil avec son œil. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt une loupe. On t'a rien, demandé. Fini les lasers! Combat! Ah!